Salut tout le monde, c'est Enfig, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve une fois de plus pour une PVP. Et comme vous l'avez sûrement deviné, si on se retrouve sur une PVP, c'est pour du TNT Run. Ben alors, c'est ça, je commence la game tout de suite. Ouais, pas le temps de niaiser. Donc, ouais, la game commence en 10 secondes, effectivement. Ok. Je crois qu'il fallait run hein, ici. Ok, la map TNT. Comme vous le savez, je l'aime pas trop, cette map. Mais ben, elle est différente des autres, hein. Et ben, jusque-là, ben, ça avance quand même bien. Hop. Ok, Fait qu'ensuite, après ta vidéo, tu me la laisses là pour que je puisse finaliser, là, donc Ben après ma vidéo, après que je l'ai postée. Donc en fait, c'est la... Oh! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, j'étais à l'étage du haut, puis je suis tombée tout en bas. Vraiment tout en bas. Oh non. On attend de 4 joueurs. Par contre, c'est sûr que ça sera pas trop long. En fait, la deuxième partie puis la première s'attendront pas parce que j'essaie de me faire des idées là, d'avoir Non des mais idées. pourquoi ça... Pourquoi il y a des Voilà. blocs invisibles là? Non, Oh! c'est impossible. Ok. Le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Il y en a qui tombent vraiment direct là, on jugera pas ça parce que ça nous est arrivé aussi. En même temps, ben c'est normal là, quand je suis pas ta game là, tu tombes tout de suite là. Bon, en plus, c'est un effet de slowness. Parce qu'on peut pas sprinter avec un slowness. Bon là, j'ai plus l'effet, trop cool. Oh non! Bon bah play again. Oui, on va faire ça. Je crois aussi que bah là j'écoute une vidéo de bah pas j'écoute là mais je tourne une vidéo de TNT Run. Ça m'a fait penser que il pourrait aussi avoir du TNT Run hein, sur le serveur Runfix. Moi, j'ai une bonne idée comment faire. Du TNT Run, ouais, je sais, tu mets du sable. Je sais, tu mets du sable, puis en dessous, tu mets de la TNT. Fait que ça va tenir, puis quand tu vas piler, ben ça va s'en aller. Non, des plaques de pression, sable et TNT. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Il faut aussi avoir du TNT Run. Donc, ça, je vais noter. Prochain épisode de la création du serveur Anfix. Comme j'ai, ça, tu sais. Je pourrais noter là, les propositions que vous me direz. Puis juste une petite question. C'est quand le jour que ma map va être tournée? Le jour que ta map va être tournée, je vais regarder ma planification. Je crois que ce sera le 3 décembre. Ça se peut-tu? En tout cas, même pas le 24 novembre. Parce que le 24 novembre, j'ai une fête, fait que je pourrais pas être là. 24 novembre, il y a déjà une vidéo de Cédulé. C'est la création du serveur Unifix, épisode 2, justement. Donc ça, on parle plus trop de TNT Run, hein, c'est bizarre. J'essaie de pas pogner le slowness que je viens de voir. Comme cette vidéo-là de TNT Run, elle va être plus longue. Ben parce que je crois que vous avez apprécié là. Puis même à ça, ben, c'est le fun de faire du TNT Run là. Tu sais, au début, je pensais que 10 minutes de TNT Run, ça allait être un petit peu emmerdant, mais non, hein, pas pantoute. Là, ça fait combien? 5 minutes environ que je recorde, parfait. Le chunk du lobby n'est pas chargé, hein.
Je sais pas pourquoi. À un moment donné, moi, ça m'est arrivé, par exemple, sur une game. Moi, ça m'est déjà arrivé en Skywars, ça. Moi, ça m'est déjà arrivé sur un truc de bataille, là. Pourquoi il met des blocs invisibles en fait? Oh! La map TNT est de retour. Oh non mais... Ah! Nope! Je peux je courir à la place. À date, je sais, je parle vraiment pas beaucoup, mais c'est parce que je suis concentrée. Oh non! You won! You won! T'as gagné? J'ai gagné! Oh my god! Trop cool! C'est la deuxième fois. Et la première fois en vidéo que je gagne sur un TNT Run. Moi j'ai déjà gagné en Skywars. Ouais, moi j'ai juste fait une vidéo en Skywars. J'aimais pas trop, fait que j'ai arrêté. Trop cool. Donc, 7 minutes, je crois qu'on va faire encore. Ben, je crois que ça va être la dernière game, hein, celle-là. Puis on passe ma map, là c'est une map jump. Ah, une map jump. Bah, grande partie. Ah, un peu comme la map en espagnol qu'on a testé un peu plus tôt là. Sauf que je l'avais créé avant, donc Ouais. je me suis pas inspiré. Ah! Je me rappelle pas, genre ben avant j'avais créé. Oui, ça je m'en rappelle là, la genre de map jump là, tu pourras me l'envoyer. Bah, en fait, ce que tu pourrais faire, c'est juste noter le seed de la map et me l'envoyer. Genre par courriel, tu sais, tu m'envoies un. Le courriel ou juste tu me le dis oralement là, tu sais, on est dans la même maison. Hein. Mais tu me le dis pas dans les commentaires, hein. Juste parce que ben, tout le monde pourra avoir accès. Moi, je la mets dans la description hein, si ben, si jamais Si jamais la map est vraiment bien, tu sais, parce que je crois que ce qu'on va faire à l'avenir, c'est quand la map va avoir plus que 8 sur 10, ben je vais la mettre dans la description parce que ben 8 sur 10 c'est bien. Donc, je crois que je vais retourner au hub. Puis je peux te dire qu'il va y avoir une partie quand même assez difficile. Puis je vais explorer un peu, hein, parce que là, pour les 2 minutes qui restent. La deuxième partie est en nuit. Dans la nuit? Ouais. Tu pourras faire un commande bloc avec slash time 7, Je hein. sais, Oublie pas. je vais faire. Vive les commandes. Oh, c'est une petite jump, ça? Non, sûrement pas. Ça, par contre, c'est un jump, hein, lui, qu'on a réussi dans le dernier épisode. Donc, j'espère vraiment que cet épisode de TNT Run vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Sur ce, au revoir.